Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 23 décembre 2020. Je pense que j'ai réussi à régler mon problème de synchronisation. Heureux de vous retrouver, honoré de vous retrouver, chers amis. 23 décembre 2020, 15h10, heure du Québec, ça va mal, ça va de plus en plus mal. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir, les amis, vous ne le savez pas non plus, il n'y a personne qui le sait. Et on est parti pour une longue, très longue randonnée. Attachez vos ceintures, parce qu'il va y avoir beaucoup de bosses sur la route, on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant ce temps-là, on est à 2 jours de Noël. Un Noël, une année historique, comme j'aime l'appeler, notre année, c'est une année biblique. On est en train d'écrire notre chapitre à nous, hein? En train d'écrire notre apocalypse. Le monde est fini. C'est la fin du monde. La fin du monde, ça peut être vu de différentes façons, sous différents angles. Ça ne veut pas dire que c'est la terre qui explose, c'est l'univers qui disparaît. La fin du monde, c'est la fin de ton monde que tu as connu. C'est la fin d'un cycle. Et c'est souvent ça qui amène des tribulations, des inquiétudes dans les populations. C'est écrit en nous, on est influencé par les astres, par le cosmos. Quand il y a des grands changements, quand il y a des grands cycles qui interviennent, on le sent et on voit des tribulations partout et c'est ce qu'on voit en ce moment. Comme on l'a vu dans d'autres moments de notre histoire, où on peut retrouver ces aventures-là, hein, ces récits-là dans les écrits anciens de toutes les nations. Et nous autres, on est en train d'écrire le nôtre, que les gens liront en temps et lieu. Quand on ne sera plus là, il y a longtemps, longtemps tout ça. On est encore là pour un petit bout de temps. Mais il y a des choses qui sont inquiétantes et qu'on ne peut pas passer sous silence. On va aller voir ça ensemble dans ce 23 décembre 2020. L'année n'est pas finie. Moi, je m'attends à quelque chose de vraiment, vraiment majeur avant la fin de l'année. Je ne le souhaite pas, mais j'ai comme un pressentiment que l'année va se finir dans une catastrophe, parce qu'un malheur en attire un autre. Pendant ce temps-là, on va commencer en politique, étonnamment, c'est rare que j'aborde la politique ici, avec ce qui se passe en Terre Sainte. Israël s'en va vers la 5e élection en 2 ans. C'est du jamais vu. Le gouvernement vient de tomber hier, je pense, et on annonce que la prochaine campagne électorale, chers amis, va être extrêmement laide, dure. C'est pas bon signe. OK? Déjà, c'est une région qui en arrache beaucoup au niveau de l'équilibre. 2 grandes différences par rapport aux élections précédentes donneront le ton à la rhétorique que nous allons entendre au cours des prochains mois. Bouclez votre ceinture pour les élections les plus laides qu'Israël ait jamais connues, le rapporte le Jérusalem Post. On peut voir ici les deux qui avaient formé un gouvernement de coalition, Benny Gantz et Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, dans l'entente, devait faire les 2 premières années de ce gouvernement-là en tant que premier ministre et Benny Gantz finir les 2 dernières années, mais là, tout ça est tombé à l'eau. Il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou fait face à des accusations aussi de corruption. Voici une chose qui devrait être immédiatement claire, les 3 prochains mois seront parmi les plus laids de l'histoire d'Israël. Ça, c'est pas rapporté par n'importe qui, c'est rapporté par le Jérusalem Post. Il est vrai que les 2 dernières années n'ont pas été un pique-nique. Israël a traversé 3 campagnes électorales en 2 ans de maraudage et de combat entre les partis politiques qui ont constamment échoué à trouver un moyen de travailler ensemble au profit de la véritable puissance souveraine de ce pays, le peuple israélien. Wow! Il est également vrai qu'Israël est divisé comme jamais, comme la plupart des pays maintenant. On a vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut remonter à l'élection de Donald Trump pour ça, où la politique est devenue invivable, où on a installé vraiment un régime. On pourrait presque comparer ça à un régime tyrannique dans nos pays, où cette administration-là de Trump a réussi à aller outre frontière et à installer dans la tête et le cœur des gens une haine incroyable envers ses ennemis politiques. Comme on le voit dans les pays totalitaires. Et c'est vraiment, vraiment inquiétant tout ça. Il n'y a plus personne qui est capable de se parler sans qu'on s'insulte, on se lance des roches, on s'accuse de tous les maux de la terre, on se menace de finir en prison. C'est devenu complètement
complètement irréaliste, c'est-à-dire irrationnel et surréaliste. Et c'est comme ça partout. Et on nous dit que même en Israël, c'est comme ça. Aux États-Unis, on voit la division. Au Québec, on voit la division. En Europe, on voit la division. Il n'y a plus personne qui est capable de se sentir. Et ça, c'est pas bon signe, surtout qu'on est dans des... face à des défis qui sont, impossibles à surmonter si on n'est pas unis dans la paix, la tolérance, l'acceptation, la générosité. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va finir par s'en sortir, mais on nous annonce les pires élections. Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça. Je ne veux pas vous prendre la tête plus longtemps avec la politique pendant ce temps-là. Une deuxième vague d'un fléau incroyable qui a touché l'Afrique, je vous en ai parlé à plusieurs reprises cette année, frappé aussi le Moyen-Orient, l'Iran, le Pakistan, et ces fameuses invasions de sauterelles. Et on nous le dit, hein, c'est la deuxième vague de fléaux acridiens biblique. Même les gens, les médias utilisent le terme « biblique » aussi pour décrire ce qui se passe en ce moment. De nouveaux essaims bibliques de criquets pèlerins se forment dans la corne de l'Afrique, menaçant les moyens de subsistance agricole et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Déjà, la pandémie nous a amené des années en arrière, tous, autant que nous sommes, parce qu'on est tous en train de s'appauvrir, parce que la plupart d'entre nous ne pouvons pas aller travailler. Ce qu'on nous donne, c'est de la pitance. Ce qu'on nous donne comme soutien, c'est... ce n'est pas le salaire qu'on faisait quand on travaillait. Donc, tout le monde est en train de s'appauvrir, tout le monde est en train de s'endetter pour rester à flot. Nous, on est encore chanceux qu'on ait quand même de l'aide, mais c'est de l'aide vraiment minimale. Mais tu as des pays où ça va vraiment, vraiment mal parce qu'il n'y a aucun filet social. Et selon l'ONU, on fait face à la plus grave crise alimentaire, humanitaire de l'histoire. Wow! La FAO a récemment déclaré dans un communiqué de presse alarmant de nouveaux essaims de criquets se forment déjà et menacent de réenvahir le nord du Kenya et une reproduction est également en cours des deux côtés de la mer Rouge posant une nouvelle menace pour l'Érythrée, l'Arabie Saoudite, le Soudan et le Yémen. Wow! Cela pourrait être aussi grave que ce que nous avons vu au cours de la dernière année car la zone de reproduction dans ce pays est aussi grande que 350 km². Pardon. Bien que mieux préparés, on craint que les communautés ne soient submergées si les essaims sont vraiment, vraiment grands. Pourquoi y a-t-il autant de criquets? Les infestations acridiennes ont augmenté au cours du dernier mois, du mois dernier en Éthiopie, en Somalie, en raison d'une reproduction intensive, du temps et des précipitations favorables. Les populations devraient encore augmenter dans les mois à venir de criquets. On peut voir ici les dévastations sur l'agriculture. Il ne faut pas oublier que ce coin de la Terre a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie depuis quelques années. Le modèle a vraiment changé. Et c'est ce qui a amené la prolifération de ces sauterelles un peu partout dans ces régions. Et ça se promène et ça va vite et ça mange les champs à une vitesse alarmante. Pendant ce temps-là, j'ai Jean-Baptiste qui m'a envoyé un lien qui nous dit... c'est pas celui-là, c'est le vieux lien, mais il y a eu un séisme important le 12 décembre, hein, près des côtes du Japon. Il y en a eu un en Sicile aussi, hier ou cette nuit, de 4.2. Je pense que c'est en Sicile ou Milan. En tout cas, je vais vous trouver le lien. Mais là, on nous apprend que la NASA annonce l'approche de trois astéroïdes potentiellement dangereux. Selon le Centre d'études des objets proches de la Terre de la NASA, trois astéroïdes classés comme potentiellement dangereux passeront devant notre planète. Le 25 décembre, l'un d'eux croisera notre astre à une distance minimale de 3 millions de kilomètres. Un corps céleste géant, dangereux. Auparavant, l'Agence spatiale américaine avait prévu qu'un astéroïde géocroiseur, le 153-201, potentiellement dangereux, mesurant entre 370 et 820 mètres, était passé près de la Terre à une distance de 4 millions de kilomètres à la fin du mois de novembre. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités aussi à ce niveau-là. Concernant maintenant ce qui se passe au niveau climatique et volcanique et sismique, une tempête hivernale, en passant, il neige ici, ça va nous donner un Noël blanc. Une tempête hivernale inhabituelle apporte de la neige abondante et des températures records en Amérique du Nord. Plus de 220 ménages sans électricité.
Donc, c'est toujours des tempêtes, vous le voyez, soit historiques, soit inhabituelles. C'est toujours, toujours ça qui se passe parce qu'on est en changement de cycle majeur. La première tempête hivernale officielle de la saison a porté de fortes chutes de neige et des vents violents en Amérique du Nord, affectant particulièrement la Colombie-Britannique au Canada, car plus de 220 000 ménages ont perdu l'accès à l'électricité lundi 21 décembre, donc hier. La tempête était également responsable du record inhabituel, eh oui, des températures de rupture à Kelowna, ainsi que dans l'État de Washington, où des températures supérieures à la moyenne entre 10 et 15 degrés ont été inférieures plutôt, entre 10 et 15 degrés ont été enregistrées. La tempête a provoqué des vents violents et de la neige abondante dans le sud de la Colombie-Britannique. Imaginez-vous. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités volcaniques en ce moment, vraiment inquiétant tout ça. On sait que Kilauea, sur la grande île d'Hawaï, a recommencé à son mode d'éruption, vraiment inquiétant. Maintenant, on a une augmentation de la sismicité sous le volcan Hudson au Chili, niveau d'alerte élevé. Le Service national de géologie et des mines du Chili a relevé le niveau d'alerte du volcan Cerro Hudson de vert à jaune, 2 sur 4, le 22 décembre. Donc, hier, la dernière éruption de ce volcan a eu lieu en 2011. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles non plus pour cette région-là. Maintenant, on a eu une très grosse éruption au volcan qui est quand même très actif de Chevelotch en Russie, des cendres qui ont été éjectées jusqu'à 8,5 km. Une forte éruption a eu lieu sur le volcan Chevelotch au Kamtchatka en Russie hier avec des cendres volcaniques s'élevant à 8,5 km au-dessus du niveau de la mer. Donc le code de couleur de l'aviation a été élevé au rouge. Rien de moins, chers amis. Ça, c'est sans compter que le fameux Kilauea a repris de l'activité. Celui qui nous avait donné il y a 2 ans des semaines et des mois de spectacles vraiment inquiétants et hallucinants. Donc, lui aussi a repris son activité. Maintenant, on a le fameux volcan Etna, qui est très actif, et là-bas aussi, cette semaine. Le 21, on a porté le fameux code d'aviation au rouge, un nouvel épisode éruptif. Pyroplastique a commencé sur le volcan Etna en Italie. Le matin du 21 décembre, le code de couleur de l'aviation a été élevé au rouge. Donc, le volcan Klitschukskoy au Kamtchatka, lui aussi, éruption, et les coulées se poursuivent. Beaucoup, 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 beaucoup. Énormément d'activités volcaniques, chers amis. Dans tout ce qui se passe en plus, juste pour vous donner une idée, ça c'est dans les derniers articles, les dernières nouvelles, une vague de froid meurtrière. Je vous avais parlé de cette vague de froid au nord de l'Inde, bien ça se continue. On continue de frissonner à cause d'une vague de froid intense, alors des conditions météorologiques froides sont prévues dans la région. Dans les 3 prochains jours, incapables de s'en sortir, des fissures continuent à éclater au cratère de Kilauea. Donc ça, c'est aujourd'hui, ça continue. 2 fissures continuent à faire éruption de lave dans le fameux lac de lave en croissance dans le cratère Elamao de Kalawa. Ça, c'était aujourd'hui, donc ça continue. Tremblement de terre, sismique aussi. La fameuse tempête violente. Événement majeur de réchauffement stratosphérique soudain attendu à l'entrée de 2021. Un événement majeur de réchauffement stratosphérique soudain, les fameux, ces fameux mouvements-là qui nous amènent du froid intense. On les attend avec des températures extrêmement froides prolongées qui affecteront certaines parties de l'hémisphère du Nord à la mi-janvier. Je vous ai parlé du volcan Hudson au Chili déjà, les fontaines de lave à l'Etna. 24 septembre, on s'attend à une tempête géomagnétique mineure. Pour les 23 et 24 septembre, on s'attend à ce qu'une série de courants à grande vitesse de trous coronaux, de polarité positive connectée polaire, affecte notre planète dans les jours à venir. On parle d'une tempête G1. On a l'astéroïde 2020 qui a survolé la Terre à seulement 0,2
distance lunaire, un astéroïde nouvellement découvert a survolé la Terre à une distance de 0,2 distance lunaire ou à 86 766 km de la Terre. Ça, c'est vraiment pas loin, les amis. Forte éruption à Chevelouch. Grand glissement de terrain cause des dégâts importants en Islande, 21 décembre. On a endommagé des maisons aussi, des poteaux électriques. Vraiment inquiétant. Des fortes pluies provoquent des inondations et des glissements de terrain dans certaines parties du Royaume-Uni. Ça, c'est le 21 décembre. Des inondations et des glissements de terrain ont frappé certaines parties du Royaume-Uni au cours du week-end, après la chute de plus d'un demi-mois de pluie. Et oui, en 24 heures, imaginez-vous encore un événement unique, historique. Tout ça, ça se passe, puis il n'y a personne qui... On n'a pas vraiment idée que ça se passe. Hein? Je ne pense pas que vous voyez ce que je vous ai montré là. Vous n'avez pas vu ça dans vos bulletins de télévision de nouvelles préférées. Parce qu'on n'en parle pas. Mais ça, ça se passe au jour, le jour, au jour, le jour. Augmentation des troupes volcaniques au mont Raupoui'u. Augmentation du niveau d'alerte et du code de couleur de l'aviation en Nouvelle-Zélande, 21 décembre. Séisme fort et peu profond, 6.3 à Honshu. Très mauvaise qualité de l'air signalée à Mumbai alors qu'une vague de froid sévère frappe le nord de l'Inde. Chers amis, et c'est pas fini, il y a tellement d'autres choses, c'est à se demander comment on peut faire pour passer à travers ça. En fait, ce n'est que maintenant qu'on nous a rapporté qu'il y a eu un tremblement de terre à Milan qui a été ressenti de 4.3. Je cherchais le lien, je viens de le trouver. Ce tremblement de terre-là a eu lieu le 17 décembre 2020. Ce n'est que maintenant qu'on nous le rapporte, ou en tout cas, ce n'est que maintenant que moi que je le vois, il y a eu un tremblement de terre dans la région de Milan cet après-midi, qui a mesuré 4.3 sur l'échelle de Richter, mais jusqu'à présent, aucun dommage n'a été signalé. Les habitants de Milan et de sa périphérie ont ressenti le séisme à 15h59. Une déclaration des autorités italiennes de l'épicentre ont déclaré qu'il était à 1 km de Trezzano et mesurait entre 3.8 et 4.3 sur l'échelle de Richter. Donc, voyez-vous, même nous autres, on en manque. On a un crop circle qui a été découvert dans le fond d'un lac en Croatie. Vraiment fascinant. Est-ce qu'on est capable de manger ce qui pousse autour de Tchernobyl? On se demande. Pas sûr. Pas sûr. Et je vais terminer ce petit segment-là, mes amis. Qu'en est-il de tous ces volcans en éruption actuellement dans le monde? Le Big One arrive-t-il 23 décembre? Que se passe-t-il en ce moment? Comme si tous les volcans avaient décidé d'éclater tout d'un coup dans le monde. C'est probablement pour mettre fin rapidement à cette année satanique 2020. Maintenant, regardez ces feux d'artifice naturels qui explosent. À peu près à une semaine avant le nouvel an. En juin, le volcan Etna, Italie, 22 décembre. Vous avez des images, je vais vous laisser ça ici. Le volcan Chevelouch, le 22 décembre. Là aussi, vous avez, je pense, mais c'est plus des photos. Et on peut voir la cendre volcanique qui est tombée par la suite. Kilauea. Sakurajima au Japon. Suwanosejima, encore au Japon. Le fameux volcan Hotsun. Ruapehu, en Nouvelle-Zélande. Volcan, je vous épargne la prononciation, en Islande. Et il y en a encore plein d'autres, mais ça, c'est les plus majeurs. Je peux vous dire une chose, chers amis. L'année se termine et va nous laisser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup... de sensations fortes. Et c'est pas fini. Je vous retrouve. Bougez pas.